Haïti, corps diplomatique, a lancé un appel pour une trêve humanitaire devant la crise gaz là qui paralysait l'activité pays. Et puis dans le mondial football amputé dans le pays la Turquie, Haïti calé les États-Unis 6-2 pour le qualifier pour quart de finale. Et oui, c'est ça, Haïti calé 6-2, le calé les États-Unis 6-2 pour le passer dans le quart de finale. On a parlé de et mondial amputé dans le pays la Turquie. Donc c'est fait dans le camp haïtien. On a pour un reportage complet sur le match côté Haïti calé les États-Unis 6-2. N'a pas entré dans l'actualité ici aux États-Unis. Président Joe Biden avec Madame Ni, Dr. Jill Biden, y a trouvé en Floride jeudi. Côté, il a constaté cyclone de ravage, cyclone Ian Fay. Eh bien, Sandra Lemaire, gain détail. Président Joe Biden atterrit dans la région État Floride, cyclone Ian ravagé mercredi. Il promet gouvernement fédéral, État et local pour travailler ensemble. Pour aider rebâtir Kai business avec la vie victime yo. C'est comme ça président mettait politique sous côté pour le cas concentré sous sinistré yo. Cyclone Ian la cause 84 moun mouri, parmi yo gagnent 75 qui habitaient dans l'État Floride, qui ont des centaines milliers moun qui dans blackout jusqu'à présent. Ian t'est poté avec gros vent qui t'a soufflé et puis li mettait 2,6 millions citoyens dans blackout. Gen en pile monde qui pou korive joine accès à ni manger ni de l'eau propre. Biden rencontré quelques citoyens avec propriétaires ti business yo dans Fort Myers jodi a, côté li remercier responsable gouvernement qui participé dans j'efforts pou yo et puis déblayer quartier yo. Élection mi-mandat yo pral déroulé dans yon mois. Écrit ça la cause rival politique yo kole tête ensemble. Biden ak madame ni Jill te gen comme compagnon pendant visite là deux républicains moun konnen pi bien dans état Floride en parlant de gouverneur Ron DeSantis et puis sénateur Rick Scott. Gen l'autre responsable local et puis tout sénateur état Floride Marco Rubio qui te accompagné Biden yo tout. Sandra Lemaire pour VOA Creole, Washington. Faut dire non, yon conférence pour la presse et gouverneur DeSantis bay bravo pour travail que la Maison Blanche a fait dans occasion et li bat bravo tout pour FIMA qui a fait un travail extraordinaire et il dit que n'a continué tout garder qui était genou sous état Floride après cyclone Ian et qui fait un pile ravage dans et Floride et dans l'autre côté encore. On a pas entré dans l'actualité concernant pays d'Haïti. Corps diplomatique a lancé un appel pour une trêve humanitaire devant crise gaz là qui paralysait un paquet d'activités dans le pays. Nous avons un reportage de Yves Manuel, il trouvé dans Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti. Un groupe là mandé une trêve dans le pays d'Haïti pour permettre distribution gaz là avec marchandises qui nécessaire face à crise humanitaire qui a traversé le pays après groupe armé bloqué principal terminal pétrolier. Ambassadeur Canada dans le pays d'Haïti, Sébastien Carrière, rapporté représentant 11 pays dans l'Amérique centrale avec plusieurs organisations internationales mettez tête ensemble pour mander trêve ça dans pays en ambassadeur et représentant en Haïti pays Allemagne, Brésil, Canada, Chili, Espagne, États-Unis, France, Japon, Mexique, Suisse, Taïwan, Union européenne, Nations unies et organisation État américain exprimer quelques CEO par rapport à un blocage qui gagne dans terminal Varoyan. Sans compter impact humanitaire, notamment dans le contexte remontée choléra. N'a pas demandé une trêve humanitaire rapide pour permettre gaz lan sorti pour besoin Ijan yo. C'est résumé message diplomate canadien dans un tweet sur réseau social Twitter. L'OEA et ambassadeur France dans le pays d'Haïti, Fabrice Mouries, exprimé même KKCA à travers même réseau social. Yo. Société Westendis Energy, Weneco et Terminal Vareux, opérateur SAO qui n'a gaz là dans Port-au-Prince, proposé pour mettre en place tout un corridor humanitaire qui a facilité l'approvisionnement dans l'hôpital, yo, sans traitement de l'eau et télécommunication. Commissaire gouvernement Port-au-Prince là, maître Jacques Lafontaine, mandé moun kap manifester contre gouvernement pour observer yon trêve tout
dans l'idée selon ça l'expliquer pour faciliter paquet hein, réaliser audience civile à correctionnelle qui gain pour ak bataille contre détention préventive prolongée hein. En plus terminal Varo qui bloqué terminal là qui c'est point d'accès marchandises et puis aide humanitaire dans pays hein, action gang améo paralyser tout quartier populaire qui gain là-dedans plus passer 300 000 habitants et empêcher yo gain accès à service public sans compter activité essentielle yo ak urgence dans zone ça yo. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Donc on a suivi pour dossier gaz là et puis qui réaction qui gagne après appel corps diplomatique là dans pays d'Haïti et par rapport à augmentation prix gaz là chauffeur moto yo et chauffeur motocyclette yo ben utilisé yon stratégie yo dit qui coûtait moins l'argent. Détail avec Machado dans Port-au-Prince. Tine à gasoline pour ne citer ça ou seulement, c'est quelques composants chauffeur moto qui part en misi pour acheter un gallon gasoline 4000 goud utilisé pour capable vaquer à activité yo. Même j'aime gaver là c'est gasoline gaz blanc dans moto non parce que gaz à trop cher on vise mélanger le bon gars améliorer comme là m'en paye là c'est pour connaître cher en pile parce que si m'a paye un gallon gaz 700 là si vous pas mettre un petit gaz blanc sous lui pour faire le vin plus comment la fait on me connaît mettre long quand on fini tellement j'ai problème là et tiner en balle mettre tant l'orgue petit pour bail manger pour bail boire si mon lui même il va souffrir même j'avoue ou ça ou pas arrêter ou pas rien on l'état capedo pas gon famille capedo parce que pays a dit si me choisir utiliser m'acheter si me mettre dépôt que aux en avec gazoil là s'il vient on 900 dollars pour toute journée ou bien pour deux jours ou pour trois jours on retire comme gaz là dans le restant même pour utiliser la caméra pour m'aider me manger moi utiliser tiner à tout bon ni utiliser c'est que pas gain gaz nous pas gain gaz gallon gaz n'a pas 800 dollars, 600 dollars, si les gars parlent pour 350 dollars parce que les goulets pour 350 dollars. Et comme ça, les goulets n'achètent. Là, ils disent que, côté à l'achat, là, même nous, 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 obligés à acheter un tiner qui vend 250 dollars, nous, obligés à rouler. Ça veut dire, quand nous avons eu connu, qu'elle t'écrase, mon toit qui va écraser, nous, les quand même, ça va regarder, parce que, moi, et là, ça, les goulets, nous, ils disent que, même pas menti, qu'on veut un heure, ou pas vous, gaz, ou vous, gaz, mais vous, mettez le gaz, là. On est même là, bibto, problème là, donc, l'ira les figures, mais l'ouvrir l'esprit. Donc, et face avec situation Gaza, Chéa, donc nous, mes CEO, yo utiliser maillot, yo fait maillot travail, yo fait intelligence au travail, ils sont même plus capables de gérer tête sur le sens, donc pour capable soulager au langage Chéa. D'après spécialiste, composant ça capable gain gros conséquences sur motocyclette yo. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour VOA Créole. Merci Massado Vilmé. Donc son lot phénomène encore, c'est des phénomènes que on va suivre dans la société haïtienne. Et puis je dis à tous, c'est troisième journée grève générale contre Premier ministre Ariel Henry. Il y a une troisième journée qui part totalement respectée par rapport à deux premiers. Nous sommes sur place à Port-au-Prince, Renan Toussaint. Troisième et dernière journée grève générale contre Premier ministre Ariel Henry avec augmentation prix carburant sur marché national. Pas respecté en grande partie mercredi 5 octobre 2021 par rapport à avant-hier lundi à hier mardi, côté toute activité était paralysée. Jeudi mercredi, gagne un calme apparent qui régnait dans différentes zones adjacentes Port-au-Prince, plus machines et motocyclettes circulaient en pile succursale banque commerciale, gros acti business fonctionnait en partie. Cependant, circulation automobile toujours pas accessible dans un pile coin d'Elma à cause barricade avec l'autre population érigée pour dire non à augmentation prix carburant, oui à départ Ariel Henry dans tête pouvoir. Prix course machine avec motocyclette, prix produit première nécessité triplé pendant que pouvoir d'achat citoyen yo baissé considérablement, taux inflation passé à plus que 30%. Pas gain aucune mesure nécessaire autorité en place adoptée pour faire face à la situation ça n'a signalé tout gain en pile coup de zame qui tiré dans zone route aéroport international Toussaint Louverture mercredi 3 octobre 2022 Renan Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. Et puis nous établissons contact avec journaliste Gérard Maxino dans Cap-Haïtien, deuxième ville pays, qui fait nous connaître que il y a des gens qui descendent encore dans la rue, côté il y a même revendication, il y a demandé démission Premier ministre Ariel Henry ou toujours sous la voie de l'Amérique, n'a pas permettre depuis Washington DC.
Et dans le moment où il y a parlé de gang, de insécurité dans le pays d'Haïti, et bien, on a pas accueilli l'audience dans la troisième mi-temps, Gérard Salomon, ancien major dans l'armée d'Haïti. Donc, là, c'est invité nous dans la troisième mi-temps. Et Jodia, ou sous la voix de l'Amérique. Oui, nouvelle, dernière nouvelle concernant le pays Ukraine, c'est que, eh bien, Gagnon et Ukraine, avec tout pays occidental, eh bien, ils continuent à lever la voix après président russe, Vladimir Poutine, signe le roi pour annexer officiellement quatre régions Ukraine avec fédération. Et Jean-Aubert Philippe a suivi pour nous de très près situation ça. Une situation qui est de plus en plus compliquée. Ukraine avec pays occidental, tout à coup, ça dit Jean-Aubert, ils ont levé la voix, mais, et président la Russie a, tant qu'il dit dans le pays d'Haïti, tête droite, il signe finalement, officiellement, annexion. Oui, effectivement, Jacqueline, et président Poutine entré dans l'autre chapitre et dans quatre tentatives qu'il fait pour le et après guerre ukrainien, il est entré dans l'autre chapitre, il a annexé officiellement quatre régions que l'été, même là, il n'a pas fini contre des régions complètement, mais il a annexé quand même et il n'a pas occupé tout appel que la communauté internationale a fait pour dire non, que l'illégal et il continue à kembe pour mes cités faits et peuple ça pour dire que oui. Et la région Sahel fait partie de la Russie désormais après les signes et lois qui annexent officiellement quatre régions Sahel dans la Fédération russe. Le président russe Vladimir Poutine signe mercredi 5 octobre la loi qui annexe officiellement quatre régions Ukraine pour faire partie de la Fédération russe malgré le contrôle total de toute région Sahel. Document finalisé annexion région Sahel que Ukraine avec pays occidental dit yo pas pour connaître à cause des marches la violer les lois internationales. Semaine passée, président Poutine a signé un traité pour absorber Donetsk, Luhansk, Kherson avec Zaporizhia. Deux chambres parlement russes ont approuvé résultat référendum. Assemblée générale des Nations Unies a pour voter une résolution États-Unis avec Albanie patronné pour condamner action la Russie. Une résolution la Russie te veto dans Conseil de sécurité 15 membres organisation internationale la semaine passée. Porte-parole Kremlin Dimitri Peskov pas écarté possibilité pour la Russie prendre contrôle plus territoire malgré soldats ukrainiens à bataille pour prendre territoire qui déjà en bas main la Russie. Président Poutine prend engagement pour utiliser tout moyen nécessaire pour défendre la région Sahel même si ça table dit utilisation des armes nucléaires. Pays occidental, en particulier les États-Unis, découragé le président russe pour ne pas prendre route ça. Responsable bureau président Volodymyr Zelensky, André Yama, considéré comme illégal, décision leader russe, d'après un message li écrit sous compte Telegram, li immédiatement apprécié en loi. Bon, le président Zelensky remercie le président Joe Biden après annonce de nouvelle assistance militaire 625 millions de dollars. Administration fait que la baille pays. La Russie critique les décisions États-Unis. Ambassadeur de la Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, considéré à Sansa comme une menace immédiate dans l'intérêt stratégique pays et qui est capable de déboucher sur un laissé frappé militaire entre la Russie et les pays occidentaux. Le ministère de la Défense a dit que président Poutine, qui a parlé avec un groupe enseignant dans un message télévisé, dit l'ici a un autre décret pour corriger mobilisation partielle 300 000 soldats réservistes. Il était annoncé 27 septembre passé pour sélectionner jeunes enrôlés au lieu de monde qui dépassait l'âge. Président Zelensky, avec militaires ukrainiens, a annoncé soldats libérés pour publier 7 villages dans la région Kherson, force qui s'était occupée. Ministère de Défense britannique l'a annoncé mercredi 5 octobre là, pendant évaluation qu'il fait chaque jour, Ukraine continue à faire progrès dans deux fronts, nord-est avec sud pays avec possibilité pour prendre contrôle d'une route approvisionnement important la Russie dans ville qui est située dans la région Luhansk. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Donc une situation qui est de plus en plus compliquée, guerre en Ukraine apparemment toujours à bail problème, surtout dans le cadre de conflit qui gagne entre Ukraine avec la Russie et puis et puissance occidentale qui eux-mêmes qui a supporté Ukraine. Donc n'absurde pour. Et puis nous prenons l'actualité concernant région Amérique latine. Luis Almagro qui c'est
et qui c'est secrétaire général organisation État américain avec président péruvien Pedro Castillo ouvert 52e assemblée générale organisation État américain en ville Lima capitale pays Pérou. Et ben secrétaire d'État américain Anthony Blinken a participé demain session jeudi a été déroulée surtout sous droit monde lutte contre discrimination et migration. Nous gagnons sous place dans New York Valérie Saint-Louis qui gagne détail. La 52e session régulière Assemblée générale Organisation État américain OEA a déroulé dans moment dans ville Lima qui c'est capitale pays Pérou. Session a fait dans centre convention capitale là et thème 52e Assemblée générale OEA qui a fait du 5 au 7 octobre, c'est ensemble contre inégalité et discrimination. Le président République Péroua, M. Pedro Castillo, te répond présent dans l'inauguration Assemblée. Dans la 52e Assemblée OEA, le pays États-Unis pour le travail avec le pays à travers l'Amérique pour construire une démocratie solide et inclusive, contrecarrer discrimination, agir sous changement climatique et puis assurer démocratie pour tous citoyens dans le continent américain. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a continué voyage régional en Amérique latine et qui a la tête délégation américaine pour participer à l'Assemblée générale OEA demain 6 octobre, libre de souligner engagement États-Unis dans OEA à travers thème ANESA qui c'est ensemble contre inégalité et discrimination. Secrétaire Blinken pourra présider groupe révision application sommaire, une réunion haut niveau pour discuter sur application engagement qui était sorti dans le 9e sommet des Américains qui était fait dans Los Angeles et puis réaffirmer rôle important OEA a joué dans avancement démocratie, droit monde, développement durable à coopération sécurité à travers tout pays hémisphère l'ouest là. Il va discuter tout sous principe qui inscrit dans constitution OEA à constitution démocratique interaméricaine qui était établie dans l'année 2001. Secrétaire Blinken va co-diriger tout une réunion ministérielle sur migration à partir déclaration 9e sommet Los Angeles là qui va ces migrations irrégulières citoyens pays Amérique latine avec partenaires régionaux. En plus de rencontre avec secrétaire général OEA Luis Almagro, secrétaire Blinken pourra engager dialogue avec président péruvien Pedro Castillo, avec ministre des Affaires étrangères César Linda pour discuter sur augmentation sécurité dans la région et renforcement gouvernance démocratique, protection environnement et promotion développement économique inclusif. Dans l'agenda pour journée jeudi à 5 octobre, débat a été déroulé en assemblée ensemble avec chef délégation yo, avec représentant organisation société civile là avec l'autre acteur social yo sous thématique respect tout monde en général, égalité pour tout monde sans pas oublier communauté LGBTQIA et puis sécurité, développement et droit monde dans continent. Parmi plus passé 32 délégations pays qui te répondent présents dans la 52e Assemblée générale OEA, nous rejoignons le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Jean-Victor Généus, qui te représente le pays d'Haïti et qui te participé dans l'Assemblée. N'a rappelé thème la ANESA, c'est ensemble contre inégalité et discrimination et l'a fini vendredi 7 octobre ça. VOA Creole a suivi pour de près 52e session régulière Assemblée générale Organisation État américain OEA. Pour VOA Creole, dans New York, Valerio Saint-Louis. Merci Valérie, vraiment vrai secrétaire d'État américain Anthony Blinken et qu'a fait un viron dans la région Amérique latine et ben il rencontré jeudi mercredi avec le président chilien Gabriel Boric et ministre Affaires étrangères PIA en parlant de Antonia Uriolola. Un reportage Serge Rodriguez. Secrétaire d'État États-Unis Anthony Blinken fait une rencontre jeudi mercredi avec le président chilien Gabriel Boric dans cadre première activité officielle, une visite à côté lié aborder question tant qu'au crise migratoire, sécurité régionale et sous façon pour réduire effet changement climat. Président chilien Gabriel Boric a accueilli chef diplomatie américaine dans un salon par le gouvernement et a été posé devant caméra yo avant rencontre entre deux. Après si t'as parlé cela, M. Blinken, ensemble avec conseiller Lio, t'es quitté par le présidentiel La Moneda en Chili pour faire un coup de pied dans le ministère Affaires étrangères pays Amérique du Sud là, puis en réunion avec le ministre Relations Extérieures Antonia Urrejola. Le chef diplomatie t'es bâillé une conférence conjointe pour la presse tout de suite après ça. M. Blinken a fait un viréron dans trois pays en Amérique du Sud qui en bas contrôle le gouvernement gauchiste. Un jour avant ça, le secrétaire d'État américain te fait chita parler avec le chef d'État colombien Gustavo Petro et demain jeudi, il pourra faire une rencontre avec le premier mandataire pays Pérou, président Pedro Castillo. Ancien leader étudiant Gabriel Boric, qui est chef d'État Chili jeudi, n'a pas lancé trop de critiques sur les États-Unis. Cependant, dans la mi-temps année 2022, il était fâché pour le mourir en tant que président du 9e sommet des Américains dans la ville de Los Angeles et en Californie, dès que les États-Unis n'ont pas invité Cuba, Nicaragua, Abguinezuela, Néoumbléa, même s'il questionnait mauvaise gestion des droits humains de nos trois pays saillants, quand il était lancé appel pour libération de tous prisonniers dans le pays Nicaragua. Président chilien Gabriel Boric précisait que Washington doit considérer les pays Amérique latine comme partenaires égalégaux et jamais comme nation qui a moins d'importance de quoi pour y arriver travailler ensemble, tout le bon vrai.
Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. N'apprêtez toujours dans Amérique du Sud là, ou bien Amérique latine là, et bien Brésil, élection, et bien 30 octobre, Capvin là, c'est pour le deuxième tour, élection présidentielle au Brésil, Capral mette face pour face, et président pays là, Jair Bolsonaro, et ancien président Luis Inácio da Silva, alias Lula. Nous allons rejoindre Chesley Jean-Baptiste depuis Brésil pour réaction communautaire haïtienne. C'est dimanche 30 octobre qu'a fini là, deuxième tour élection présidentielle a réalisé au Brésil. Côté Luis Inácio Lula da Silva, avec 48,4% vote, prend devant Jair Bolsonaro dans la course électorale là, avec 43,2%. Deux candidats ça ont déjà commencé pour une fois avec campagne électorale yo. Côté au chaque APC, qu'aimé électeur yo, en même temps, mobiliser plus monde pour qu'a gagne plus vote. Dans le sa yo, débat yo en pile, opinion yo différent, bon côté brésilien, tant qu'au étranger. Nous votons pour Bolsonaro, pour Avenir Petit Nom. Daniel Decimus et Eddie Manuel, ces deux haïtiens qui prennent nationalité brésilienne, ils ont été sortis à voter dans l'élection 2 octobre. La communauté haïtienne là, au Brésil a obtenu une victoire dans mes anciens présidents, qui c'est Luis Inácio Lula. Malgré yo tout yo t'ap espéré yon seul coup de clé, même j'en nou toujours dit nan lang créole nou, mais malheureusement gen yon prolongation que même j'en ancien président li considéré ça, mais communauté a kwè à 100% nan deuxième tour k'ap vini là qui c'est 30 mois ça, et bien ancien président qui c'est Luis Inácio Lula da Silva, eh bien, li gagne pour le remporter l'élection. Moi, j'ai voté dans l'élection pour une deuxième fois au Brésil. Et je me sens content en pile parce que le parti qui m'a voté à ce Lula, et c'est le parti qui m'a remis en pile. Et c'est ce parti qui m'a venu au Brésil, j'ai eu une opportunité. Et je pense que c'est le président tout immigrant qui est Lula. C'est ce gouvernement Lula. Et tout étranger, haïtien, qui rentre au Brésil, parce que ce revenu, c'est ça nous a remis pour nous rapporter la victoire. Malheureusement, nous n'avons pas gagné l'élection en premier tour, même pas en deuxième tour. 30 octobre, nous avons venu là, nous avons gagné l'élection pour ça, parce que nous avons compté un peu, parce que ce revenu, et nous n'avons pas campé, pour le peuple l'a dit, devant net, nous pensons que nous déjà devant, et nous avons aller devant net, aller, et nous avons rapporté la victoire 30 octobre, nous avons venu là. Selon quelques analystes politiques, deuxième tour élection n'est pas facile. Deux candidats qui élus pour deuxième tour yo pral obligé faire alliance à quelques candidats qui étaient dans la course présidentielle là, mais qui pas fait poids sur balancement. Yon façon pour sensibiliser plus monde. Je suis Jean-Baptiste, VOA Creole, São Paulo, Brésil. Merci, Chesley. N'ap kite konya et politique. N'a quitté l'élection pour nous parler football. Et bien, dans le mondial football amputé dans le pays Turquie, Haïti, Calais, États-Unis, 6-2 pour le qualifier pour quart de finale. Gentil Augustin Junior a suivi pour nous championnat ça, l'a suivi tout équipe haïtienne. Ligue 1, un reportage complet sous match jeudi. Pour assurer billet qualification pour quart de finale mondial 2021, Haïti calé États-Unis 6-2. Après 4 mi-temps, avec un redondo indispensable dans l'attaque haïtienne qui fait 4 goals. Spinoza yon goal et Saviola yon goal. En tant que coach Rochnel, après toute difficulté équipe la te gagné, pour te joindre billet ça. Avec la prend l'heure, donc le match a fini. Il était 10 secondes. Pendant que l'heure sont 10 secondes de passé, et puis il prend l'heure. Ils prennent les armes, nous, ils font l'autre bagage, donc nous-mêmes, nous venons jouer contre avec toute bagage. Mais nous, équipe qui est tranquille, malgré la pression, nous tranquille, souvent, nous tranquille, parce que si on en pile, nous connaissons ça, c'est pour ça ici, c'est pour ça lié. Mais nous-mêmes, nous tranquille, parce que nous avons une équipe qui est dans nous, nous avons une équipe qui est forte, une équipe qui est persévérante, une équipe qui a patience. Et c'est ça, pour nous, c'est patience, persévérance. Et aujourd'hui, nous, hiver, nous faisons victoire. Donc, sans victoire, nous connaissons le match pour nous, mais nous faisons victoire, c'est ça, nous méritons. D'après ancien meilleur buteur Coupe du Monde 2018 là, et actuel meilleur buteur Coupe du Monde pays Tikiya, Redondo R Principe, fait qu'on est objectif là, c'est 7 matchs liés. C'est un plaisir pour moi et pour moi jouer pour sélection haïtienne là, même les MTF ont posé, même retourner et mieux que ça va mieux et m'a continué à faire plus fort et bataille là beaucoup fini. Et nous gagnons bataille mais
Et pas la guerre. Et pas la guerre. La guerre est sept combats. Sept combats. Ça fait quatrième combat, net trois. Et on a continué jusqu'à ce que nous atteignions l'objectif. John Baby Jean, toujours impeccable dans le camp haïtien, malgré lui prendre des goals jeudi, t'es pas allé après match là. On va dire qu'il y a pas nous connaissons l'équipe là et nous connaissons ça nous qu'a fait. So, nous prenons des goals, c'est quoi ça va là, nous reconnaissons le septième tour aller, quoi ça le tapier, so, rien de quoi ça. Spinoza, Modric, équipe haïtienne, gain même objectif à tout l'autre joueur. Comme si nous battions bâton en match en compétition. Nous visons champion en Coupe du Monde là. C'est ça l'objectif là. Capitaine Manley qui retourne en force jeudi, prête slogan la RIA pour dire au pape campé. On a parlé moins c'est notre objectif là, nous parler droite c'est pas parce que nous est peigné, nous est j'habite la maltraiter nous et bon on a monté moral là puis nous va parler à monsieur. Combien matchs était? Était 3 matchs. Yes. Ça veut tous les trois. Nico, c'est meilleur joueur équipe américaine. Lui féliciter équipe haïtienne. Félicitations Haïti, moi espère gagner. Merci Haïti. Franz Duval t'es inquiet après égalisation équipe américaine en fin deuxième mi-temps. Mais t'es venu rejoindre confiance dans demi-temps prolongation. 2-2 à la dernière minute quasiment. Là, nous sommes vraiment pas content. Parce que nous devons nous temporiser, nous devons calmer le match, nous devons quitter ça arriver parce que nous devons finir. Mais les États-Unis font et puis nous devons égaliser. C'est égaliser avec le point 6 goals là. Il était qu'à finir en 2-1. Vraiment bien réagi, à chaque fois bien réagi. Il a bien réagi après égalisation 1-1, il a bien réagi après 2-2. Et reste match ali même t'a dit c'est son récital vraiment là encore il montre mon l'autre bagage que me pas de quoi physique là bon parce que nous jouons deux prolongations deux fois 10 minutes en réalité match avine 70 minutes et même plus l'on mettait arrêt de jeu. Vraiment équipe là correct jeudi à satisfait totalement et me content que nous passons l'autre étape haïtien qui vivent tiki t'es mettez tête ensemble Louis Bis. Yon façon pour plus haïtien de Kavin si porte Grenadier yo. Terrain avec la caille nous vraiment loin. Si n'a pas taxi, en pile monde pas capable aller. Nous te louer bis à nos moyens pour plus haïtien te capable venir dans match là. Nous voulons pile pour jouer au terrain. M'a demandé plus haïtien motivé. Motivation. Dans phase qualification, États-Unis te calé Haïti D1 dans mois mars 2022 dans pays Mexique. Dans un match amical dans le mois juillet 2022 dans le pays États-Unis, Haïti te prend revanche sur l'équipe américaine 6-0. Et jeudi 5 octobre 2022, Haïti mette de yon équipe américaine dans le mondial Tiki 2022. Prochain adversaire équipe ampité haïtien, c'est Tanzanie qui élimine équipe Japon. Gentil, Augustin Junior, Miami, pour la Voix de l'Amérique. Et c'est avec le reportage ça sur l'équipe haïtienne amputée que nous avons mis fin dans le programme. Nous avons dit que Haitian American Leadership Initiative a organisé demain jeudi à 6 heures conférence virtuelle sur insécurité en Haïti. Question c'est est-ce que actuelle insécurité en Haïti a représenté une menace pour la région? Parmi les invités, il y a colonel Himmler Rebu, ancien militaire Ashley Larac et puis docteur Prosper Charles, nous avons gagné hier, président Haitian American Leadership Initiative là, Georges Boussou Junior, c'est là n'a mettez fin. Pas oublier après-midi à 5 tapant, n'a gain Gérard Salomon qui c'est ancien major pays d'Haïti. Moi c'est Jacques Belizère, nous remercions tout le monde qui était participé dans le programme. Non, merci Ben et puis n'a pas demain.